Ouais, mon pote, tu recommenceras pas deux fois. Voilà. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Subnautica. Donc, comme je l'avais dit dans le précédent épisode, je vais vous montrer plein de choses. En tout cas, je ne sais pas trop ce que vous m'avez dit, puisque je n'ai pas uploadé l'épisode pendant les vacances comme j'aurais peut-être dû le faire. Mais ce n'est pas grave, combinaison de plongée renforcée, on y va, c'est fait. Et ensuite, un petit objet très pratique que nous allons pouvoir construire ici, le réacteur thermique pour combinaison Prawn, qui va me permettre de me recharger normalement les batteries dans les zones chaudes. Vous vous rappelez, comme un petit peu la lava zone, vous voyez ce que je veux dire, le truc un petit peu presque trop violent. Par contre, il va vraiment falloir que vous résolviez ce problème-là. Alors, il y a eu une mise à jour, chers amis, hein, je précise, il y a eu une mise à jour du jeu. Mais bon, apparemment, c'est pas plus pété que ça. Ok, je crois qu'on y est, chers amis. Donc, petit message pour Kalozar qui croyait avec le truc au fromage, le jambon fromage, le fromage, ouais, le jambon fromage. Ham and cheese, oui, c'est ça. C'est ça, avec le jambon fromage que je blaguais. Non, non, pour moi, le plus important dans le message était bel et bien le jambon fromage. Non, c'est Incendie qui m'a dit qu'il fallait que j'aménage mon cyclope et tout pour faire une base mobile, lit, bac de culture, fabricateur de kits de soins. Donc ça, c'est fait. Préparer des rations de survie et des piles de secours. Ça, je l'ai pas fait. Donc merci ici pour ton information pour éviter de... pour survivre à... pour éviter de rester en sandwich pour prédateurs. Et alors, pour mon cher Rodela qui dit que comment ça s'appelle? Les Léviathans sont en bordure de map. Non. Non, je m'insurge, non. On en voit partout autour de l'Aurora, on en voit partout autour de l'île. Les Léviathans sont présents, ils existent. Ils veulent notre mort à tous. Oh, c'est con. Donc, je sais. Il faut que j'inspecte ce truc de manière correcte maintenant que j'ai... Putain, j'avais oublié les détails. Zone à la mort moelle-neu. Ok, là c'est flippant. Oh non de Dieu, sa maman la... Aïe. Reste loin de moi. Je me suis pris une fireball, hein, j'ai pas rêvé. Hein. Fireball. Ah, il m'a vu. Aïe 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 aïe. J'ai des couilles moi monsieur, moi j'y retourne. Putain. Ça y est, je l'ai trouvé. Youhou. Bon. Marcus, il va falloir que tu mémorises ça. Ok, sous la grande... en face de la grande arche. Ok, vendu. Et c'est pas du tout dangereux comme endroit. Mais c'est pas du tout dangereux comme endroit. Je sais pas du tout ce que c'est. Je t'ai vu.
Ça, c'est les petits souvenirs des let's play que j'ai regardé dans Subnautica. Car oui, c'est pas parce que je suis youtubeur que je ne regarde pas de let's play. Hein. Encore. J'ai la présomption de m'appeler youtubeur. Crac. Bon, y'a plus qu'à trouver l'entrée. Ok. Faut de mourir tout ça, dis donc. Ouh. Oh. Bon. J'ai une tablette. Faut pas que ce soit la seule. Oh, une tablette bleue. Scan. Scan. Boire. Mais scan. Alors que je me dépêche. J'ai que 52 de bouffe. Je veux pas crever de faim. Je ne veux pas crever de faim. J'ai pas pensé du tout à prendre de bouffe. Donc on va attendre pour le pilier de... Wow. Ok. Tu veux dire genre par ici ou... Ah, ça sert à un cube bionique. Ouais. Oui, madame. Je comprends ce que vous voulez que je fasse, madame. Pas de soucis, madame. Je bourre le cube. Sésame. Écarte-toi. Ouvre-toi, pardon. Aha. Où est-ce que cela mène? Avec un peu de bol, ce sera sur la terre ferme. Ce serait cool. What? What? Ok, donc sans hésitation, c'est le bon endroit. Je suis bel et bien sur l'île. Ok. Bah écoutez, on va sortir par la flotte. On va recharger nos ressources. Alors, on ne parlera pas du fait qu'il y a une porte sur le toit de ce truc et que j'ai failli mourir. Il y a un motherfucking portail. Ok, alors on parlera pas non plus du fait. Donc il y a un portail là-bas. Ni que les warpers semblent être beaucoup plus agressifs. D'un seul coup. Et on y retourne. Ok, on peut aller en profondeur. On va d'abord aller en profondeur avant d'aller dans la suite. Données fossiles. Ok, j'ai pas ce qu'il faut pour rentrer là-dedans. Mais ça semble ultra pété. Donc on y retournera sans doute dans le prochain épisode avec des diamants et des cubes pour faire des tablettes, etc., etc. Dans le chemin du haut, nous découvrons les rouges. Ok. C'est la sortie. C'est la même sortie de par laquelle je vis. Enfin. Non, parce que je viens de par là, moi. D'accord, en fait, non, elle est ridiculement petite. Ok. Et pour une raison que j'ignore, je ne prends pas de dégâts de lave alors que je n'équipais que les gants. Je montre, hein. Je n'ai expliqué que la destie et les gants. Donc c'est assez étrange, je ne comprends pas trop pourquoi. Oh oh. Hello darkness, my old friend. Merde. Putain. D'enculé. Il m'a littéralement spawn à 3 cm de la gueule et instant kill. Je suis désolé. Ce mec est une bouse. Putain. Et forcément, l'autre troufignon, il est pas à sa place. Génial. Bon. Bah ça met dans l'ambiance.
Allez, on se tire ailleurs, comme ils disent dans la pub de Torchman Metal, là. Et surtout, comme ils disent, dans Retour vers le futur. Bordel à queue. Je m'en bats les couilles, je vais le chercher. Je m'en badigeonne les couilles avec le pinceau de l'indifférence, que ce soit bien clair. Je m'en bats les steaks. Alors comme ça, monsieur est présent, mais monsieur se permet de me pouned. Non mais franchement. Regarde ça si j'ai du respect pour ta putain de cave. Et même pas de vin dans ta cave, c'est de la merde. Du respect, non mais oh quoi. On a pas pour moi, je vais pas en avoir pour toi. Oui, moi je nage à pied là, enfin je nage à pied, oui. Je nage avec mon Sea Glide, je m'en bats les couilles. J'espère que je me suis bien fait compris, je m'en bats littéralement les couilles. Dorénavant, la seule chose que je comprendrai de ta part, ce sera le respect. Le reste, bat les steaks. Ah non, mais tu recommences pas deux fois, toi. Ouais, mon pote, tu recommenceras pas deux fois. Voilà. Ça, c'est fait. Il n'y avait pas un deuxième qui voulait se la mettre? Histoire qu'on règle notre problème ensemble. T'as pas envie, bizarrement, hein. Bah alors? Ah là, le respect, tu l'as appris, hein. Là, le respect, tu l'as compris, même, je dirais. Bon, du coup, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais farmer le diamant dans cette zone un petit peu en attendant de rentrer à la maison. Ce qui me permettra de gagner un peu de temps sur les prochaines tablettes. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!